Surpris par la nuit. La rencontre avec Franco Chitti, c'est un duel où il se frappe sur les mains. Vous voyez, on se frappe sur les mains comme ça, dans un café à Torre Pignatara, et ça se termine avec des mains ensanglantées. Tu vois, le premier qui arrête, il a perdu. A été en train de arriver ce que Pasolini avait appelé dans les dernières années de sa vie le holocauste culturel, le génocide culturel de culture locale. Je crois qu'il était notre dernier prophète. Car ils s'en sont exclus, car ils s'en sont exclus. Silencieux le charron de rapace. Mais dans les déchets du monde naît un monde nouveau. Des lois nouvelles naissent là où il n'y a plus de loi. Un nouvel honneur naît là où le déshonneur est honneur. Il naît des puissances et des noblesses féroces dans des entassements de pourris. Dans les villes sans bornes, l'on croit que la ville s'arrête et où elle repart. En fait, hostile, elle repart des milliers de fois avec des ponts et des labyrinthes et des chantiers, des terrassements derrière des houles de gratte-ciel. Moi, j'ai assisté, des horizons entiers. Évidemment, à la naissance d'un metteur en scène. Mais j'ai assisté en même temps, dans quelques sens, à la naissance du cinéma. Le premier gros plan, ou le premier travelling, ou le premier mouvement de caméra panoramique, etc., de Pasolini, c'était vraiment le premier gros plan, travelling, panoramique de l'histoire du cinéma. C'était comme l'invention d'un langage. Pier Paolo Pasolini, Le procès interdit. Une émission de Yann Siré, réalisée par Angélique Thibault. Troisième et dernière partie, dernière prophétie, cannibalisme, esclavage et capitalisme. Sono esigue le speranze di fare chiarezza su quella notte del 2 novembre di 30 anni fa, ma confido nella magistratura. Je ne suis que du chagrin, que un bouleversé vraiment, et jamais je peux trouver logique que quelqu'un meure. Enfin, je ne peux pas trouver la mort logique, et sûrement pas à ce moment-là. Et sûrement pas, alors qu'en même temps j'apprends qu'il m'a cherché et que je l'ai raté. Mon unique préoccupation, si je puis dire, était de ne pas répondre au téléphone, de voir aucun journaliste, de me planquer avec la souffrance et l'incompréhension. L'ho conosciuto circa 12 anni fa, mentre facevamo dei bagni nei fiumi di Roma. In una borgata di Pietralata. Meute et horde, fratrie et dévoration. Le meurtre de Pasolini fut le signe d'une nouvelle époque, celle d'une mutation anthropologique. Son film Salaud, le diamant noir, irrécupérable, dernière profanation des corps réduits à la marchandise, marque l'avènement d'un esclavage de masse qu'il nommera le nouveau fascisme du monde moderne. Le procès qui s'ouvre avec les révélations spectaculaires à la RAI de son assassin Pelosi s'enlise dans les méandres de l'Italie contemporaine de Berlusconi. Il est désormais avéré que le guet-apens qui signa sa fin fut le crime d'une pègre organisée. Zingaïna, peintre et écrivain et ami de toute une vie, dessine une mort de prophète, une dernière mise en scène longtemps annoncée par des visions alchimiques, ésotériques, jusqu'au dernier cercle de cette divine comédie sublime et infernale. Avec Pétrole, l'ultime livre, le sang noir du néo-capitalisme renverse toutes les valeurs antiques jusqu'à détruire le souvenir de l'humanité. Pelosi est devenu comme un personnage de ce roman monstre, l'éboueur et le gardien du mausolée de sa victime. Hasard luciférien et mythique, ou logique de ce que Debord appelait la société spectaculaire marchande. La mort de Pier Paolo Pasolini reste une énigme. Cette histoire de la mort, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au Frioul. Jean Duflo. En dehors des interviews qu'on a pu faire avec des témoins de l'époque, jusqu'en 1950, où il a été obligé de quitter le Frioul pour une affaire de mœurs assez douteuse d'ailleurs. Un détournement de mineurs. Bon. À l'époque, ça ne blaguait pas. Hein. Et puis surtout, il y a, d'après Nico Naldini, qui a écrit une biographie, et même
Enzo Siciliano. Il semblerait que la découverte de son homosexualité vers l'âge de 12-13 ans, ça ne s'est pas passé comme une lettre à la poste. Il en gardera comme une espèce de sentiment de culpabilité pendant toute sa vie. Pour lui, c'est une faute, finalement. C'est un manque. Puis-je vous lire quelques-uns de mes vers ? Une poésie que je fis du temps où j'étais jeune aussi, tout comme vous aujourd'hui. Les mille et une nuits. Un vieillard au désir juvénile a pour les jeunes et beaux garçons un penchant. Il aime fort à s'amuser et dès le matin levé dans l'esprit de Mossoul. Cité de la pureté, il ne songe tout le jour durant qu'à Alep, cité des mille péchés. Mais alors tout cela fait que c'est je quelqu'un qui est hanté par la mort. Chose. Mais dès les nous premiers poèmes de jeunesse. Alors, si vous lisez la si préface de Fernandez aux poèmes de jeunesse, notamment ceux qui vont jusqu'en 47, Poésie à Casar, ça, La meilleure jeunesse, qui commence là-bas, on s'aperçoit que la mort revient comme une espèce de leitmotiv, hein, constamment. Bon. Il canto popolare, 1952-1953. Improvviso il 1952 passa sull'Italia. Solo il popolo ne ha un sentimento vero. Mai tolto al tempo, non l'abbaglia la modernità, benché sempre il più moderno sia esso, il popolo, spanto in borghi, in rioni, con gioventù sempre nuove, nuove al vecchio canto, à répéter ingénuo quello che fu. Alors là, on rebondit sur la thèse de Zigaïna. Est-ce que tous les indices accumulés par Giuseppe Zigaïna ne sont pas comme une espèce de confusion qu'il aurait faite avec des pressentiments ? Entre pressentiments d'une mort liée à la vie dangereuse qu'il a menée, hein. Si vous voulez, je vous donne la liste de sa chronique judiciaire. C'est incroyable. Les attentats, les agressions, ça n'a pas arrêté. Bon, entre les pressentiments et des indices de programmation, il y a quand même une différence. Alors lui, il va très loin. Il commence en 58. Et alors, c'est facile. À partir du moment où vous avez en tête qu'il a programmé sa mort, vous pouvez trouver 100 preuves de l'exactitude de cette thèse. Après avoir provoqué certains scandales au Festival de Venise et obtenu finalement le Grand Prix de l'Office catholique du cinéma, votre film Théorème est présenté cette semaine à Lyon. Qu'est-ce que ce film, Pierre-Paolo Pasolini ? Ce film est une parabole, ou si vous voulez, une énigme. Et alors, si vous voulez, pour moi, que je suis l'auteur, c'est très difficile d'expliquer, de le définir. Un théorème, normalement, ça doit être assez clair. Pourquoi avoir choisi ce titre et comment l'expliquez-vous ? C'est un théorème mystérieux. Et le titre, j'ai choisi le titre de théorème parce qu'il y a des énoncés, c'est-à-dire il y a une famille bourgeoise milanaise, où il y a un père, une mère, une fille, une jeune fille, et une bonne. Et après, il y a une hypothèse. C'est-à-dire qu'il y a une démonstration per absurdum. Cette hypothèse, c'est que un jeune homme, peut-être Dieu ou peut-être Lucifer, c'est-à-dire l'authenticité, arrive dans cette famille et tous les personnages sont en crise. La démonstration n'est pas conclue. N'est pas conclue, elle est ouverte. Comment se situe ce film dans votre œuvre en général ? J'ai fait un film Uccellacci Uccellini qui ressemble un peu à ce film, à Théorème. C'est-à-dire, c'est une parabole. C'est un film problématique. Les autres films de Acatone et l'Évangile selon Saint Matthieu sont épiques, sont narratifs, une allure épique. Théorème, c'est problématique. Je crois qu'en fait, il est plutôt du côté de la coïncidence des opposés. En fait. Bertrand Levergeois. D'une certaine tendance au passage à la limite. C'est la raison pour laquelle j'ouvre le livre sur sa relation à Giordano Bruno,
parce qu'en fait, je pense qu'il a cette capacité en fait de penser les contraires et de les penser toujours, sans que la chose soit neutralisée. C'est-à-dire, il y a effectivement la possibilité d'un dépassement, mais ce dépassement n'est pas celui d'une synthèse. Il n'y a pas de synthèse de l'histoire, il n'y a pas de fin de l'histoire d'une certaine manière. Il y a un passage à la limite, mais ce n'est pas le passage à la limite, par exemple, d'un Nicolas de Cuse qui doit amener à Dieu, qui serait en fait une forme de synthèse, une forme de grand embrasement dans l'infini divin. Non, c'est au contraire un passage à la limite qui doit montrer la force de la création, la force de la poésie. Pourquoi réaliser une œuvre alors qu'il est si beau de seulement la rêver ? Figlio attossecato, via il negro! Vermiglio, figlio senza simili. Sonia, ricordati che sei ai piedi di Cristo! Non pensare al tuo cagnolino! Uccellacci e Uccellini. Motore! 2050 terza! Azione! Genitore, forza! Figlio, l'alba discita, figlio della smarrita, figlio della smarrita, figlio attossecato, figlio bianco e vermiglio, figlio... Stop! Maledetti, adesso si tocca ricominciare tutto da capo! Pasolini l'a bien dit quand il se nomme hérétique, enfin quand il prend les métaphores religieuses, hein, hérétique, luthérien. Hervé Joubert Laurencin. Voilà, luthérien pour quelqu'un qui habite en plein centre de Rome, quoi. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est assez simple à définir, c'est qu'il est un hérétique, c'est-à-dire qu'il est dans la religion. En vérité, je vous dis que les publicains et les prostituées vous précéderont au royaume de Dieu, puisque Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous avez refusé de le croire. Mais les publicains et les prostituées, eux l'ont cru aussitôt. Et vous, ce que voyant, vous n'avez alors même pas songé que vous deviez vous repentir, pour ensuite croire en lui. Il n'est pas en dehors de la religion, c'est pas un infidèle, c'est pas celui qui est en dehors, c'est celui qui est au milieu. Et celui qui est en plein milieu, qui a bien appris les codes, qui a bien appris les dogmes, qui ne respecte aucun dogme parce qu'il pousse le dogme à la limite. Donc cette fois, la fin, elle est en plein centre et on creuse en plein milieu. Et on s'en prend aux plus orthodoxes, mais par leur propre orthodoxie. C'est ça, c'est rien d'autre, hein. D'ailleurs. Les schismes viennent de là, les hérétiques, c'est ça quand même, hein. Les hérétiques, c'est ceux qui sont plus, non pas plus dogmatiques, mais plus orthodoxes que les orthodoxes, ça devient des hérétiques par définition. Les renards vont se reposer dans leur tanière, et les oiseaux du ciel ont des nids. Pour le Fils de l'homme, il ne se trouve pas de lieu de repos. Je crois que vous êtes assez content depuis hier, parce que vous avez été acquitté. Et c'est voilà, exactement pour quelle raison, vous pensez ? Pour Thérèse. Thérème était accusé d'obscénité, d'être contre on dit dans le code italien, contre le commun sentiment de pudeur, de la pudeur. Si j'étais condamné, le film sarebbe stato, aurait été brûlé. Détruit, brûlé, vraiment comme dans le Moyen Âge, brûlé. En Pasolini, c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il est toujours à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur, donc de façon très honnête, quoi. Il y a un fond ingénu aussi. Enfin, moi, j'ai envie de dire que c'est ingénu, dans le sens où c'est le contraire du cynisme, quoi. Voilà. Là où il y a une religion, en somme, hein, que ce soit le Parti communiste, le marxisme, le gauchisme, la religion de la Révolution en mai 68, la religion de... Bon, ce qui l'intéresse, c'est d'être en plein à l'intérieur. Et quand il a bien compris tous les codes et qu'il est bien avec les gens et qu'il est bien là, alors il leur dit « Pourquoi vous n'allez pas plus loin ? Parce que ce que vous proposez, c'est ça. Mais ça, ça, réellement, ça s'appelle la sainteté, quoi. » Donc si Pasolini dit par dérision « Je demanderai à la Curie de me canoniser hein, » dans un poème célèbre, ça revient deux, trois fois comme ça dans sa vie où il dit je devrais être un saint ou je voudrais être un saint. Et puis il traite cette question de la sainteté, celle qu'a traité Lacan aussi. Voilà, c'est le symptôme, quoi. Pasolini, c'est le symptôme. Comme disait Lacan, c'est le symptôme permanent. C'est toujours le symptôme parce que c'est le symptôme, quoi. C'est-à-dire qu'il a la maladie du symptôme. Je n'ai jamais écrit que pour Cyril Chétaberin. J'écris que peut-être. La sainteté d'un personnage de Pierre Clementi, c'est une forme de sainteté aberrante. Yeah,
Peut-être Pierre Clementi dans le désert, oui, il représente la désobéissance totale, la contestation globale, comme on dit maintenant. Mais ça, c'est important, oui. Mais le plus important, c'est l'histoire d'un homme qui meurt de faim, qui mange de la chair humaine, et après, il achète une forme de sainteté. Terrible, désagréable, mais de toute façon, de sainteté, c'est l'histoire d'un saint à l'envers. Et c'est ça qui compte, pas le symbolisme du personnage. La désobéissance totale de Pierre Clementi, c'est une forme déjà de nouveau conformisme. C'est tellement radical, c'est tellement sûr de soi. Elle implique tellement d'orgueil que j'ai moins sympathie. Et alors j'ai plus sympathie pour l'incertitude pour le disorientamento. Et la désorientation. Le smarrimento. De Jean-Pierre Léo. De toute évidence, mon regard sur les choses du monde, sur les objets, est un regard non naturel, non laïque. Je vois toujours les choses comme un peu miraculeuses. Chaque objet pour moi est miraculeux. Je veux dire, j'ai une vision d'une manière toujours informe, non confessionnelle, mais d'une certaine façon religieuse du monde. Voilà pourquoi cette manière de voir les choses envahit toute mon œuvre. Son premier recueil de poèmes qui est censé être beau, édénique et pur, poèmes à Casals, qui ensuite sont pris dans un recueil un peu plus large, un peu plus tard, il le reprend à la fin de sa vie et il le transforme. Et c'est vrai qu'il le transforme de manière à le raturer. Donc c'est une opération littéraire tout à fait hors du commun, qui est très rare, hein, qui a existé dans l'histoire de la littérature, mais qui est extrêmement rare. Alors évidemment, il ne savait pas qu'il était à la fin de sa vie. Mais de fait, c'est un écrivain qui, à la fin de sa vie, prend ses premiers livres, le republie chez un nouvel éditeur, les republie tels quels, première partie, mais adjoint une deuxième partie où il le republie tel quel, modifié. Mais tel quel, modifié, énormément modifié, c'est-à-dire hachuré, raturé, on peut le dire raturé, c'est-à-dire changeant les mots, mettant noir là où il y a blanc et mettant fiel là où il y a miel. Tout le monde vous dira, je ne sais pas moi, des amis comme Pena qui ont écrit sur lui, ou Dario Bellezza qui a écrit Mort d'un poète, Marco Tullio Giordana qui a écrit également Mort d'un poète, qui a fait un film. Dacia Maraini qui a été son ami, qui l'a accompagné dans ses voyages en Afrique, avec bon, la femme, la deuxième femme de Moravia, après être morte, vous diront qu'il était indissociablement, si vous voulez, il y est indissociablement Thanatos et Eros. Je veux dire, il ne pouvait pas concevoir de sexualité sans cette dimension du danger et de l'urgence presque catastrophique. Et alors, évidemment, c'est quelqu'un qui avait quand même une sexualité assez difficile, malgré sa vitalité, comme il dit. Il fallait qu'il flirte avec la mort, constamment. On le voit dans ses films. Il a carrément transposé la tragédie grecque dans l'Italie contemporaine. Et on voit comment tous ses films, même dans la trilogie, sont empreints de cette idée de la mort. C'est une menace perpétuelle et en même temps, c'est un aiguillon. Et le dénouement de tous ses films, c'est la mort. Hein. Que ce soit Acatone et Mamma Roma... Oedipe Roy, on pourrait même dire théorème, hein, je veux dire, à partir du moment où l'industriel accomplit une espèce de mort symbolique, s'en va dans le désert. Vous êtes dans l'erreur. Peut-on à ce point ignorer les Écritures et la puissance de Dieu ? À la résurrection, en effet, on ne prend ni époux, ni épouse. Ils seront tous comme des anges dans le ciel.
Et s'il faut parler de la résurrection des morts, je dois vous citer les paroles de Dieu que voici. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Il n'a jamais été le Dieu des morts, mais des vivants. Le désert représente toujours l'absolu dans mon film. Quelle est, selon la loi, il y a une fonction symbolique de l'absolu, de l'ascétique, de la chaise. On dit chaise, oui, la chaise. D'être hors de l'histoire. Un paysage hors de l'histoire. Vos deux derniers films, donc Théorème et Porcherie, on peut les définir comme des films symbolistes, non? Dans Porcherie, oui, il y a les personnages et les situations sont allégoriques. Oui, tout à fait. C'est-à-dire une autre vérité est cachée dans l'image et dans la représentation du film. De toute façon, ce qui compte, c'est l'histoire. Ce qui est intéressant quand on voit l'ensemble de votre œuvre, depuis Akaton jusqu'à Porcherie, c'est la discontinuité qu'il y a entre les films du début et les films actuels. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer justement l'évolution de votre œuvre? Vous avez aussi la discontinuité de l'histoire italienne. L'histoire italienne des années 50, c'est très différent de l'histoire italienne des années 60. Et alors, pendant les années 50, je croyais de faire les films comme des œuvres que Gramsci, le fondateur du Parti communiste italien, appelait national populaire. Je croyais que le destinataire de mon film était le peuple comme classe sociale complètement différenciée de la bourgeoisie. Maintenant, dans l'Italie moderne, ça, ce n'est pas plus la vérité. Le peuple n'existe pas. Il y a la culture de masse qui comprend bourgeoisie et peuple. Et alors, le destinataire n'est pas plus le peuple, les ouvriers, les hommes simples, c'est la masse. Et alors, pour réaction à la culture des masses, j'ai fait des films plus difficiles, inconsommables. Porcherie, pour le coup, un film dont on parle d'ailleurs très très peu par rapport à beaucoup d'autres, on est vraiment dans le tréfonds de la pensée de Pasolini. C'est un film qui annonce Salò, de toute évidence. Et donc, et bien avant, nombreuses années avant. Et donc, je crois qu'il y a effectivement, j'irais plutôt à une critique, mais surtout un clin d'œil, une façon de réutiliser un fond pour ne plus s'intéresser simplement au cinéma et écarter les considérations d'ordre local, y compris politique, pour s'intéresser à un problème de fond, un problème, si j'ose dire, ontologique avec Porcherie. Retrouver justement cette présence qu'il y a aussi dans Porcherie, que ça soit dans la pièce Porcherie, où il y a une apparition de Spinoza qui ne correspond pas exactement à une figure historique du philosophe, il y a également cette figure de Clémenti, du groupe auquel appartient Pierre Clémenti, qui est aussi quelque chose qui appartient, qui ressemble tout au moins à un contexte empreint de gnosticisme. J'ai tué mon père. J'ai mangé la chair humaine. Et je tremble de joie. J'ai tué mon père, j'ai mangé de la chair humaine, et je tremble de joie. Oh.
J'ai tué mon père. J'ai mangé de la chair humaine. Et je tremble de joie. Moi, j'ai assisté à un tournage in Porcile, au tournage de la porcherie. Mais la scène du cannibalisme avec Clémenti, vous savez ce que je lui ai dit ? Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais c'est exactement la phrase de Gilles de Rais, ou presque. C'est la phrase de Gilles de Rais. Et je tremble de joie, j'ai tué mon père et ma mère, bon, etc. Et ça l'avait beaucoup étonné. Et alors, je me souviens aussi que dans le repas de fin de tournage, on était au Biondo Tevere, parce que c'était vraiment l'endroit où tout le monde se retrouvait. Hein. C'était bien Fellini, Bertolucci, et bon, tous les cinéastes, etc. Un restaurant qui ne payait pas de mine, mais bon, au bord du Tibre, vous voyez. Et là, il y avait Ferreri, qui joue Erditze. Et Ferreri, en rigolant, a dit, mais c'est complètement fou ce que tu m'as fait faire. J'ai vu les rushs, mais tu me fais jouer l'histoire d'un Bosch, d'un gros Bosch de Munich. Tout le monde disait, mais c'est effrayant, et je vais te faire un procès, quoi. C'est vrai qu'il joue un rôle terrifiant. Absolument terrifiant, quoi. Ouais, il y avait toute cette bande. Il y avait, évidemment, Léo. Autrement, non, ça se passait bien, je dirais. Puis, Clémenti avait toujours l'air un peu absent, hein, son ouais. problème. On avait toujours l'impression que ce n'était pas le cinéma son problème. Hein, c'était non, quelque chose ouais. qui faisait sauf ça en dehors d'une activité principale. Donc, vous n'avez jamais connu ni la violence, ni la cruauté des pères, ni même la bienveillance. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, le cinéma vous a réincarné dans cette figure. À la fin de Porcherie, vous dites quelque chose comme « J'ai tué mon père, j'ai mangé de la chair humaine et je tremble de joie ». Il y a quelque chose comme si vous étiez une figure de fils, même dans le cinéma. Je pense que dans la parabole du film de Pier Paolo Pasolini, le rôle du fils, justement, est à conscience que la société mange ses propres enfants. Par les électrochocs, par tout un système d'éducation, par Pierre Clémenti. Une mémoire révisée, des secrets maintenus, ou l'ignorance projetée comme l'intelligence, etc. etc. Et donc, il y a le fils en conflit décide que c'est à lui de manger le père et pas de se laisser manger. C'est un peu le monde animal, le retour aux origines, où... pour ne pas être mangé, il faut manger. Sans ça, tu ne peux pas survivre. Ouais. Et ce retour au père mystique, c'est la forme de « j'ai mangé mon père ». C'est un peu c'est l'hostie, l'hostie du Christ, où l'esprit et le corps ne font plus qu'un. Et comme il y a cette terrible difficulté de retrouver Dieu en esprit, et que la religion catholique nous permet aux chrétiens de le retrouver par le corps, c'est un acte primitif, totémisque, de toutes les tribus qui mangeaient le foie ou le cœur de leurs ennemis, des mauvais esprits qui mettaient en danger la tribu. Et c'était une forme de purification pour rendre une société à travers son histoire, de ne pas renouveler les mêmes erreurs qui ont été faites à l'époque du fascisme, à l'époque du nazisme, et puis tu te rends compte que par l'histoire, par le quotidien, c'est la cycle, c'est la boucle, l'éternel recommencement c'est des choses ancrées dans l'homme dont il a du mal à se débarrasser quand il est livré à la passion, où il peut aller jusqu'au bout, aussi bien en haut qu'en bas. Et ce désir de cannibalisme, c'est un acte d'amour aussi. Mmh.
Je suis quelqu'un qui est né dans une ville pleine de portiques en 1922. J'ai donc 44 ans, que je porte bien. Et même hier, deux ou trois soldats dans un bosquet à Putain m'en ont donné 24. Pauvres garçons, qui ont pris un enfant pour quelqu'un de leur âge. Mon père est mort en 59. Ma mère est vivante. Je pleure encore, chaque fois que j'y pense, sur mon frère Guido, partisan tué par d'autres partisans communistes. Sur les montagnes maudites d'une frontière déboisée avec de petites collines grises et des préalpes désolées. Quant à la poésie, j'ai commencé à 7 ans. Mais je n'étais précoce que par la volonté. J'ai été un poète de 7 ans, comme Rimbaud. Mais seulement dans la vie. La vera apocalisse è che la tecnologia, l'era della scienza applicata, farà dell'uomo qualcos'altro da quello che era prima. E adesso è successo qualcosa che non ha equivalenti nella storia dell'uomo. La vraie apocalypse est la technologie. Nous sommes à un tournant de l'histoire humaine. Nos descendants ne nous ressembleront plus. Cette homologation prend plusieurs aspects, je veux dire. Il y a un aspect qui est purement anthropologique. Par exemple, il écrit dans les écrits corsaires, et ça lui vaudra d'ailleurs des querelles, même à l'intérieur du Parti communiste. Moi, je suis allé deux ou trois fois dans les cellules avec les jeunes communistes, parce qu'il tenait à parler aux jeunes communistes. Et là, on lui reprochait plusieurs choses. Par exemple, d'avoir écrit un article qui s'appelait « Les cheveux longs ». Les cheveux longs, pour lui, Capelli Lunghi, c'était comme une espèce de label de l'homologation italienne. Autrement dit, extrême gauche ou extrême droite, tout le monde portait les cheveux longs. Alors bon, je ne sais pas pourquoi, c'est assez profond que cette espèce d'aspect extérieur féminin l'ait choqué à ce point-là. Bon. Votre patron vi ha donato questa fabbrica. Lei che cosa ne pensa di questo gesto? Vois comme c'est. Il vero protagonista di questa storia resta il vostro padrone. Esatto. Chi è più di correre? Non mi taglia in questo modo la vostra possibilità di una rivoluzione, per esempio, in futuro. Ma l'atto del vostro padrone è un atto isolato o appartiene a una tendenza generale del mondo moderno? La tendenza generale, secondo me, di un mondo moderno. Considerandolo come un simbolo del nuovo corso del potere. E poi il y avait autre chose. Il y a le fait que, par exemple. Les communistes avaient encouragé dans beaucoup de communes la création de bars, l'équivalent des années 70 Giscard d'Estaing, Montfermeil, tout ça, je veux dire. Et ils reprochaient aux communistes d'avoir, dans leur municipalité, accepté cette mise en cage, comme ils disaient, gabbianamento. Il y avait une troisième chose qu'ils ne supportaient pas, c'est le début des... Comme en France, le début des pas des grandes surfaces, mais des surfaces collectives, superficielles. Tout ça, il ne supportait pas, je veux dire. Donc, si vous voulez, il entrait en polémique avec le parti. Hein. Et dans une de ces réunions, donc dans une cellule qui se trouvait derrière la Via Veneto, il s'est fâché rouge parce qu'on lui reprochait tout ça. Et à un moment donné... Il dit à un jeune contestataire du PC, hein, il lui dit, mais toi, tu peux me citer un de mes poèmes? Et l'autre était incapable de lui citer une seule œuvre. Il avait vu Acatone. Bon, et basta. Bon, donc, alors il s'est fâché trop rouge, il m'a dit, voilà, bon, exactement le même comportement que les jeunes fachos qui viennent m'insulter quand j'interviens en Université de Rome. Bon.
Note 72F, le merde, vision, paragraphe 26. Le long du trottoir graissé par la lumière livide de la fin du crépuscule ou du début de la nuit, ceux qui ont pris la place de ceux qui devaient être, à vrai dire, le long du trottoir agressé par la lumière livide de la fin du crépuscule ou du début de la nuit, ceux qui ont pris la place de ceux qui devraient être, à vrai dire, parlent. Ils possèdent donc des facultés linguistiques, leur élocution est même aisée, coulante, on dirait qu'elle ne connaît pas d'obstacles et qu'elle considère que tout peut être dit, mais bientôt il est clair qu'ils répètent un automatisme qui leur est procuré ailleurs. Il film è preso dalle 120 giornate di Sodoma di De Sade, ma è ambientato durante la Repubblica di Salò, cioè circa il 44. Le film est tiré des 120 giornate di Sodoma de Sade. Ma il est déplacé dans la République de Salò en 44-45. Donc il y a beaucoup de sexe. Mais le sexe qu'il y a dans le film est typiquement sadien, à savoir un sexe dont la caractéristique est exclusivement sadomasochiste. Dans toute l'atrocité de ces détails et de ces situations. En fait, ce sexe m'intéresse, tout comme Sade m'intéresse, pour ce qu'il est. Mais dans mon film, tout ce sexe prend une signification particulière. Et c'est la métaphore de ce que le pouvoir fait du corps humain. C'est la marchandisation du corps humain et sa réduction à une chose, ce qui est typique du pouvoir, de n'importe quel pouvoir. Denselben Menschen immer wieder zu töten. Es ist dagegen zu empfehlen, so viel Wesen wie möglich umzubringen. Quand on prend Salò, je pense qu'il y a tellement d'éléments de Salò qui l'ont dépassé. On prend la fin de Salò, qui est une image merveilleuse et qui est très déconcertante, parce que c'est comme une rédemption. C'est le garçon qui danse et c'est ce Margarita. Moi, je pense comme une rédemption, c'est-à-dire que comme si ça annulait tout ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire que brusquement, il y a quelque chose qui échappe à l'horreur et qui peut-être n'a pas été concerté par Pasolini, qui a fait qu'il est allé... Il a eu la nécessité de faire cette scène après des visions qui excluaient complètement la tendresse et dans l'horreur qu'il a représentée. Tu sais danser ? Non. Alors on essaye ? Bon, on essaye. Comment elle s'appelle ta petite amie ? Margarita. Je sais pas, il est fasciné par cette violence, par cette liberté absolue qu'on peut... avoir dans cette forme de nazisme, hein, parce que c'est quand même du nazisme. Hein. Je sais pas, c'est très ambigu chez Pasolini. Je pense pas, je pense que moralement, il réprouve. Mais il y a quand même un jeu, et dans ce jeu-là, entre la sexualité et la mort, il y a un jeu, il joue avec, et donc dans le jeu, il y a déjà presque une sorte de complaisance. Cela dit, il se rattrape avec la dernière image. Les deux homos qui dansent ensemble et qui sont gentils. Quoi. Mais est-ce que ça ne vient pas de son caractère, au sens où Orson Welles parlait de caractère, c'est au sens très fort, qu'il cherche toujours quelque chose dans son contraire. Et que cette bascule d'aller chercher dans son contraire quelque chose d'autre, donc d'antithétique, fait qu'en fait, il comprend mieux presque son ennemi que son ami. Enfin, il y a une chose très étrange. Ça se trouve dans tous ces écrits, les écrits corsaires, l'expérience hérétique, mais surtout dans les écrits corsaires, où je ne sais pas si vous avez lu ces chapitres où il parle justement du fascisme, il y a trois choses qu'il déteste, dit-il,
c'est l'arrogance, le conformisme et la vulgarité. Alors, évidemment, dans le fascisme historique, il y a une part de conformisme. Mais ce qu'ils détestent beaucoup plus encore, c'est le conformiste vulgaire qu'il y a dans la société de consommation. Je cherche toujours des cas limites. Parce que ma psychologie, c'est une psychologie dramatique. Je ne vis jamais dans une façon moyenne. Je trouve toujours aussi dans ma vie que la nature n'est pas naturelle. Et alors peut-être dans mon film, il n'y a pas le côté moyen des choses. Il y a toujours des choses extrêmes. C'est ça, toujours un paroxysme. Paroxysme, peut-être, c'est un mot un peu exagéré. Mais toujours, il y a des cas limites qui sont les cas plus tragiques. Comme, de toute façon, dans les tragédies grecques. La société dans laquelle je vis est changée. L'Italie des années 50 n'est pas l'Italie d'aujourd'hui. C'était une Italie populaire, agraire, pré-industrielle, etc. Et maintenant, l'Italie est devenue un pays néo-capitaliste. Elle a eu la plus grande évolution de son histoire, peut-être. Et alors, moi aussi, j'ai changé avec l'histoire de mon pays. Macatone, l'Évangile, etc., ont eu comme destinataire le peuple, comme classe sociale. Mais maintenant, on ne peut plus parler en Italie d'un peuple dissocié de la bourgeoisie. Aussi, en Italie, il y a la culture de masse. Et alors, je ne peux pas faire des films dont le destinataire est le peuple. Il faut que je fasse des films dont la destinataire c'est la masse, et je ne veux pas. Parce que je ne veux pas accepter l'esclavage. L'esclavage, on dit esclavage. Mais quelle différence faites-vous entre le peuple et la masse? Et c'est une différence très, très difficile à exprimer pour moi que je ne parle pas français. Mais le peuple, c'est une chose concrète. C'est une classe sociale in carne et os, en italien, vivant, concrète, physiquement vraie. La masse est une abstraction oui. Qui comprend toutes les classes sociales, un phénomène de la civilisation, de la consommation. Le peuple, c'est un phénomène pré-industriel. Il prend parti parfois pour les jeunes fascistes. Mais ça, il y a quelque chose qui se mélange. À la fois, il y a son penchant pour les jeunes garçons. Et puis, cette idéologie qu'il avait plus ou moins portée à penser que les sous-prolétaires étaient l'avenir du monde, eh bien, il la transporte un petit peu, il la rabat sur ces jeunes fascistes. Et à la fin de sa vie, ce n'est pas l'ennemi, les jeunes fascistes. Au contraire, pour eux, ce n'est pas des crétins non plus. C'est des jeunes complètement imbranati, complètement piégés par un système qui les dépasse. Et leur adhésion au fascisme est une réaction purement, un petit peu comme quand on voit dans les banlieues des gosses prendre parti pour, je sais pas, Al-Qaïda, par exemple, vous voyez. C'est une réaction qui est épidermique et qui n'est jamais très... très argumenté. Hein. Sur le plan du... Bertrand Levergeois. Du fascisme, chez Pasolini, c'est pas simplement le signe du négatif, c'est structuré, donc c'est effectivement anthropologique, c'est-à-dire c'est pas simplement un corps politique, c'est pas simplement un corps économique, c'est pas simplement un corps social, c'est aussi un corps esthétique. Donc il y a dans le fascisme totalisant qu'il décrit... beaucoup d'aspects, et c'est effectivement, comme dans le, vous avez raison de comparer avec la forme christique, qui se limite pas au Christ de l'Église de Rome, précisément, et auquel on peut faire déclarer, comme dans l'Évangile, des propos qui sont plutôt les propos, a priori, d'un insurgé, plutôt que, qu'un Christ d'amour, par exemple, et de paix. Le film L'Évangile selon saint Matthieu est probablement un des plus éclairants pour comprendre la personnalité de Pasolini, puisqu'il fait du Christ un personnage extrêmement violent et qui porte un message évangélique d'une très grande douceur, mais qu'il exprime avec une très grande violence. Et probablement, c'est ça, Pasolini. Alors, mais en même temps, j'ai vu il n'y a pas très longtemps
Dacia Maraini, qui était donc une grande amie de Pasolini. Et toujours, elle parle de l'extrême douceur de Pasolini. Tout le monde parle, les gens qui étaient avec lui de manière intime et familiale, entre guillemets, parlaient de sa douceur. Donc c'était un être probablement doux, mais qui... avait besoin probablement de créer en même temps une tension très forte, peut-être parce que ça tenait à sa vision politique de l'Italie où il n'avait pas sa place. Et vous savez, l'Italie en ce moment vit une période épouvantable. Et ce qui est étrange, c'est que on ne se rend pas compte directement de la violence qu'il y a en Italie. Et c'est le propre du fascisme. Le fascisme est un phénomène doux. Il est contre la permissivité. Il critique énormément mai 68. Il est contre la contraception. Contre l'avortement. Il est contre l'avortement, pardon. Ce n'est pas du tout un refus moral. C'est une considération anthropologique qui fait qu'il sent que dans l'émancipation... Dans ce type d'émancipation, il y a comme une espèce de contexte libéral de la libéralisation actuelle. Tout est permis. Pourquoi ? Parce que, il faut consommer. Oui, il sent que c'est une captation, une capture de ce qu'il appelle le coït du désir par la marchandise qui va aboutir en fait à l'avortement qui est une fausse liberté parce qu'en fait il n'y a pas une sorte de d'éducation, il dit ça dans vos entretiens, d'éducation amoureuse digne de ce nom en fait et une éducation relationnelle des êtres digne de ce nom et donc la consommation capture en fait les individus et détourne leur propre désir. Et ce qu'il dit, et dans Pétrole il va s'appuyer sur des travaux de Firenze parce que décidément c'est une chose qui lui tient à cœur puisqu'il revient à plusieurs reprises et il change pas d'idée là-dessus, il va s'appuyer sur la psychanalyse pour dire vous voyez c'est une déstabilisation anthropologique qu'on est en train de faire. Oui. Et ça a été mal compris. Donc, si vous voulez, ça a augmenté le malentendu. Hein, je veux dire. Alors maintenant, il y a d'autres choses qui sont très, très pasoliniennes, très intimes. C'est cette espèce d'adhésion et de refus de l'éphémère des avant-gardes. Salaud. Le principe de toute grandeur sur la terre a été totalement et longuement trempé de sang. Et encore, mes amis, si ma mémoire ne me trahit pas, oui, c'est ça, sans répandre le sang, il n'est point de pardon, sans répandre le sang Baudelaire. Pardonnez-moi, Excellence, le texte que vous avez cité n'a pas pour auteur Baudelaire, mais Nietzsche, et il s'agit précisément de Zurgenialogie et d'Hermoral. Mais pas du tout, ce n'est ni de Baudelaire, ni de Nietzsche, ni éventuellement de Saint Paul, épître aux Romains. C'est du Dada. Kant, quel motivetto che mi piace tanto, che fa Dada, Dada, Dada. Charmante créature. Vous voulez mon linge sale, mon vieux linge. Savez-vous que c'est d'une délicatesse achevée? Vous voyez comme je sens le prix des choses. Quand il écrit « Je suis un homme du passé »,« Io sono un uomo del passato », il le dit non pas par passéisme, mais parce qu'il se rend compte précisément que cette nouvelle idéologie de la consommation est en train de faire table rase de tout ce qui a été... Une tradition, mais une tradition qui est le processus même de l'évolution humaine, je veux dire. Il dit, on est en train de... Bon, ben ça, tout le monde l'a repris, je veux dire. Sartre parle de réification, il en parle aussi. Ce qui m'étonne, moi, par exemple, dans ce raisonnement de Pasolini, c'est qu'il cite très peu Debord. Oui, alors que pourtant... Il cite très peu la Société du spectacle, et pourtant, il est là-dedans. Mais il l'avait lu ou pas? Non, je pense... Il me semble qu'il avait lu, oui, je crois, la Société du spectacle.
Je veux dire que, si vous voulez, cette espèce de néo-fascisme qu'il décèle dans la consommation, dans la société consumériste, c'est exactement ce que Debord dénonce comme société du spectacle. Le spectacle se présente comme une énorme positivité, indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît. L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. Il n'est rien que l'économie se développant pour elle-même. Il est le reflet fidèle de la production des choses et l'objectivation infidèle des producteurs. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. C'est-à-dire, on vit une vie, une fausse vie, par procuration, et on s'identifie à des marchandises, à un désir de marchandises qui, d'après lui, serait, remplacerait le désir réel, quoi. Oui, et la vie réelle, et la réalité, quoi. On vit dans un mythe de la consommation, dans une consommation mythique. Pasolini est allé très très loin là-dedans. C'était vraiment l'idée que notre culture était toujours une culture agricole. Bernardo Bertolucci. Et que là, le film s'est tourné en 74-75 et était en train d'arriver ce que Pasolini avait appelé dans les dernières années de sa vie le holocauste culturel, le génocide culturel de culture locale. Je crois qu'il était notre dernier prophète. La mort de Pasolini a voulu dire un vide terrible dans la culture italienne. Il n'y a eu personne qui est venu à remplir ce vide après. Mais quand même, il avait tout compris. Il avait compris qu'on allait vers une forme de monoculture, due beaucoup à la télévision, et qu'on allait vers une sorte d'étouffement, sinon pire, de destruction et anéantissement de petites cultures. Je ne sais pas ce qui reste en Italie de cette différence culturelle. Me croyant desséché à jamais, car c'est à cela que conduit le reniement de la raison, ne fût-ce que dans une crise métrique, continuant à écrire, quand alors le silence serait préférable, je remplis la sécheresse avec une libido, à son tour arbitraire, d'action, et je fais ce que je faisais quand, avec la même intensité que l'on a pour mourir, je le voulais vraiment. La différence qui me rendit surprenant pour les autres,
et colora de teintes désespérées une vie qui n'est pas mienne, me rend encore sourd aux instincts communs, étranger à la fonction qui rend les hommes esclaves et libres. Morte aussi la douloureuse espérance d'y revenir, je suis seulement, par elle, conscience. Et puisque le monde ne m'est plus nécessaire, je ne suis plus nécessaire moi-même. Je crois que Pasolini était quelqu'un qui ne s'aimait pas lui-même beaucoup. Hein, c'est pas quelqu'un qui avait à l'égard de lui-même un grand amour à aucun moment de sa vie. Quand il s'implique lui-même, quand il s'analyse, c'est compliqué dans Pétrole parce que ça n'a rien à voir avec les textes intimes qu'il avait écrits au début de sa vie, c'est-à-dire quand il était encore dans le Frioul. Justement au moment de la meilleure jeunesse et où il avait un rapport avec le monde qui était douloureux mais quand même beaucoup plus équilibré et où il osait écrire à la première personne ou à la troisième personne mais de manière intime pour parler de lui et l'autoportrait qu'il faisait quand il était jeune n'était pas un autoportrait négatif alors que dans Pétrole, puisqu'il s'identifie à un personnage antipathique, Carlo, que ce soit Carlo di Polis ou Carlo di Tettis, ce sont deux figures scindées et antipathiques, ce ne sont pas des personnages dans lesquels il est bon et agréable de se reconnaître. Donc ça veut dire qu'il va utiliser des éléments de sa vie pour les objectiver, pour les distancier par rapport à lui-même. Au moment même où je projetais, écrivais mon roman, autrement dit, où je recherchais le sens de la réalité et en prenais possession, précisément dans l'acte créatif que tout cela impliquait, je désirais aussi me libérer de moi-même, c'est-à-dire mourir. Mourir dans ma création, mourir comme en effet on meurt en accouchant, mourir comme en effet on meurt en éjaculant dans le ventre maternel. Et quand il parle de sa sexualité, ce n'est pas une sexualité épanouie, c'est une sexualité qui est extrêmement masochiste, qui est très humiliante. Le long chapitre de la vie à Casilina est un chapitre extrêmement pénible parce que, d'abord, c'est bien sûr complètement fantasmatique puisqu'il a une cinquantaine de rapports en quelques minutes, on peut dire, à peu près une heure, mais en même temps, ça veut dire qu'il avait une vision hallucinée et très, très désagréable de lui-même. Je pense que l'homme d'action, l'homme de sensibilité, l'homme de réflexion étaient au fond trois hommes différents en lui-même. Tous les observateurs, ses amis, étaient terrifiés. Quelle que soit la personne que l'on a interrogée sur les derniers moments de la vie de Pasolini, a dit que c'est une chose qui devait arriver. Ça impliquait peut-être une détestation de soi, mais aussi un très grand courage. Parce que, bon, il ne s'agissait pas simplement de prendre des risques en allant avec des voyous, mais les véritables risques, il les prenait en écrivant. C'est pour ça que sa mort pose un tel problème, parce qu'il n'est pas sûr que des voyous seuls pouvaient tuer Pasolini. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes et qui avaient intérêt à utiliser, du moins, les voyous ? Peut-être pas consciemment de la part des voyous, mais en tous les cas, ils ont peut-être été manipulés. Walter City, écrivain et éditeur, les œuvres complètes de Pasolini. Pasolini stava scrivendo Petrolio in quel momento, penso che sia una cosa importante. Stava scrivendo Petrolio e gli servivano una serie di informazioni proprio anche sulla parte, diciamo, dell'Italia illegale e via dicendo. E mi ha sempre colpito quando ci ho lavorato che lui non volesse usare
diciamo così, quel tanto di potere che aveva, no? È chiaro che se diceva sono Pasolini, probabilmente la stessa polizia gli avrebbe dato informazioni o che ne so, qualche... Pasolini était en train d'écrire Petrolio à l'époque. Et il était probablement à la recherche d'informations concernant le monde de l'illégalité italienne. D'ailleurs, il ne voulait pas exercer son influence pour obtenir les informations de la part de la police. Il ne voulait pas les réponses du pouvoir. Il faisait ses enquêtes dans les milieux les plus bas. Mais cela signifiait aborder souvent des sujets délicats, dangereux, venir à connaissance ou toucher des arguments dérangeants. Il y avait par exemple le racket de la prostitution ou bien tout ce que concernait les attentats. E o anche cose che riguardavano gli attentati, per esempio, no? C'è tutta una parte di Petrolio dove si parla dei vari attentati degli anni dal 72 al 74, eccetera. Probabilmente ha fatto troppe domande a persone che poi sono andate a parlare. E... A lei non la convince per niente l'altra tesi che, per esempio, avanza un amico di Pasolini, il pittore. Ne croyez pas à la thèse de l'ami de Pasolini, celui qui dit que Pasolini voulait mourir. Non mi ha mai convinto le prove così sedicenti prove che porta Zigaina nei suoi libri mi sembrano molto. Je ne crois pas à ce qu'il dit. Pour chacune des preuves qu'il avance, l'on pourrait répondre avec des démonstrations prouvant exactement le contraire. Et je ne crois surtout pas que Pasolini, qui était en train d'écrire le roman de sa vie, puisse penser à sa propre mort. Le texte encore inachevé, même pour une première lecture. Aucun écrivain ne ferait ça. Si on lit ce que Pasolini écrivait à l'époque, on n'a pas l'impression d'un aboutissement dernier. Au contraire, il vivait un nouveau commencement dans sa poésie, par exemple. Pasolini venait de commencer une nouvelle saison de sa littérature et de sa poésie. Je ne crois pas qu'un écrivain, passionné d'écriture comme il l'était, décide de mourir. Note 73, grand finale de la vision. Lorsque le merde tomba à terre, le chariot se souleva, la terre parut s'enfoncer sous les pieds de Carlo, la via de Torpignatara s'allongea vertigineusement à l'infini, la via Casilina apparut de face au fond et derrière elle des amas infinis de grands immeubles et de lotissements de pavillons populaires auxquels se mêlaient des terrains vagues ou des fosses avec la lame scintillante de quelques mares. Le tout blanchoyait informe sous un soleil de plâtre entre des nuées sales. Note 62, Carmelo, sa disponibilité et sa dissolution. Mais un soubresaut soudain de Carmelo l'épouvanta. Le garçon, en effet, s'était brusquement rejeté en arrière, presque avec colère. Il fut envahi par la terreur que quelqu'un ne surgît pour le voir, ou bien que Carlo n'eût tout à coup, qui sait pour quelle mystérieuse raison, décidé de mettre un terme à ce jeu, ou encore carrément qu'il voulut lui faire du mal, l'abattre par terre, lui voler son argent, le tuer. L'un de ses derniers, une de ses dernières entreprises, qui est sans doute l'une des œuvres les plus troublantes, on peut dire peut-être même du XXe siècle, c'est Pétrole en fait. C'est-à-dire. Moi je l'ai lu à moitié, hein, parce que c'est difficile à lire. Hein. Comme ça, j'ai jamais compris bien le schéma entier, mais là, c'est évident, non, il avait compris qu'est-ce que c'était P2, qu'est-ce que c'était la corruption qui se faisait politique, Berlusconi et tout ça. Mais Tony Negri, c'était vraiment cet effort qu'il faisait, parce que la chose qu'on s'aperçoit en lisant Pétrole, moi j'ai lu une bonne moitié, hein, ils sont quand même 300-400 pages, non, voilà, j'ai lu une bonne moitié, mais ce qui m'impressionne, c'est vraiment la fatigue expressive, la recherche. Non. Vous avez été très proche dans vos activités quand vous étiez en Vénétie. Il fait une recherche sur la montée d'Isson. Il voit comment il y a des liens avec la mafia. Il mène une enquête, en fait. Et d'ailleurs, certaines thèses disent qu'au fond, la cause de son assassinat serait conduite dans l'enquête qu'il mène dans Pétrole. Et les notes politiques vont très très loin, enfin, dans sa recherche. Oui, mais je sais pas, je suis... Pelosi,
Moi, j'ai connu des dizaines de gens comme Pelosi en prison, non? J'étais en prison très longtemps à Rome. Il n'y avait personne qui avait un doute entre que les choses étaient allées comme sont allées. Hein. Que c'était pas un complot. En prison, vous savez, les gens sont presque toujours sincères, non? Ouais. Voilà. Et j'ai connu au moins une dizaine de gens qui avaient connu Pelosi directement quand elle était là. Et comme ça, en plus, c'était un petit malfrat, vraiment. Comme ça. Et d'autre part, c'était absolument normal pour des gens comme Pasolini, pour des homosexuels, chercher, non? Des gens dans la rue, dans certains lieux, tout le monde le faisait, le savait, c'était banal. Toute cette histoire non, qui était inventée autour de Pasolini, c'était une façon qui d'un côté était belle, non, surtout par Laura Betti, par ceux qui l'aimaient, ils étaient à côté de lui, c'était une forme de mémoire. Mais après, il y a eu beaucoup de spéculations aussi, non? Et même... des inventions comme ça, bon, il savait tout, il avait compris, ce que vous voulez qu'il comprenne. c'est l'Italie, un lieu dans lequel il est tellement profond comme vice et perversion, non? Il y a le Vatican en Italie, donc c'est tellement profond, donc, c'est assez difficile que quelqu'un arrive à comprendre de manière tellement claire tout ce qui se passe. Pelosi à Ostie. Tout a changé. C'est comme quand tu entres dans un endroit sombre et tu ne sais pas où aller. C'est ça la sensation. Et puis j'ai lu les plaques et ça m'a ému. Novembre 2008. Giuseppe Pelosi, connu comme Pino la Grenouille, est revenu sur le lieu du crime. Cet endroit tragique et mystérieux à Ostia, où Pier Paolo Pasolini a été assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975. Nous sommes devant le monument dédié à Pasolini, dans un petit parc, monument dont Pelosi vient de nettoyer les mauvaises herbes avec ses collègues de l'entreprise de nettoyage pour laquelle il travaille. Grâce à ce travail, ça fait 2 ans que je marche droit, même si je suis encore sous surveillance. J'ai un salaire, ça fait 2 ans que je suis réglo. Jusqu'en 2005, il y avait ici une décharge à ciel ouvert. Maintenant, ce lieu est devenu un parc naturel géré par la LIPO. Et Pelosi a proposé d'organiser cette journée en offrant gracieusement ses services de jardinier. Certes, la présence ici même de cet homme qui fut condamné à 9 ans de réclusion pour ce crime est un événement. En entrant dans le parc, Pelosi a revécu ces moments. Que ressentez-vous? Un peu triste, parce que j'ai brûlé une partie de la vie et j'ai fait tant de carcere. De la tristesse. J'ai gâché une bonne partie de ma vie. J'ai fait beaucoup de prison. J'aurais dû mieux faire de mes 17 ans. J'ai beaucoup de regrets. Maintenant, Pelosi espère seulement que son contrat avec la société de nettoyage qui expire en décembre sera renouvelé et qu'il pourra continuer à travailler et rester dans le droit chemin. Un souvenir que vous auriez de Pasolini. Un souvenir de Pasolini, c'est la dernière scène. Appelons-la le dernier repas, ironiquement. Je suis désolé. Sa voix était, malgré son masque dur et le visage marqué, sa voix était douce, c'est ce dont je me souviens. Bertolucci, qu'on a interviewé à Rome, et Dacia Maraini, qui à distance ont eu le même argument, ils ont dit, si vous aviez connu vraiment Pasolini dans son rapport avec sa mère, vous comprendriez que cette idée du suicide est absurde. Parce que Dacia Maraini racontait que quand ils étaient en Tanzanie, bon, ils faisaient 150 km en voiture. Au bout d'une journée, il était complètement crevé parce qu'il avait reçu un coup de fil disant que sa mère était malade. Bon, il faisait 150 km pour trouver un téléphone. Ah, c'était bon, c'était pas un coup de fil, je sais plus ce que. Il faisait 150 km pour trouver un téléphone. Il téléphonait à sa mère et quand sa mère avait mal au ventre, il avait mal au ventre, vous voyez. Et moi, le connaissant, je l'ai vu, moi, vivre avec sa mère, hein, via Eufrate, avec cette tendresse absolument, cette sollicitude qu'il avait pour sa mère, presque abusive. Je le vois mal programmer son suicide. En plus, réfléchissez 2 minutes, même s'il y a ces indices sémantiques, qui sont des formes de pressentiment, bon, etc., qu'on a interprété comme indice. Même s'il y avait eu ça, comment pouvez-vous imaginer qu'il puisse se suicider avec certitude en provoquant
un jeune prostitué comme il est dit dans plusieurs livres de Zigaina, aussi bien Pasolini et la morte que Un nuovo teatro, un'idea del stile. Prego mia madre. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu es la seule au monde à savoir de mon cœur, del mio cuore, ciò che è sempre stato, ce qu'il a toujours été, prima di ogni altro amore, avant tout autre amour. Per questo devo dirti, voilà pourquoi je dois te dire ce qu'il est horrible de savoir. Che nasce la mia angoscia. C'est à l'intérieur de ta grâce que naît mon angoisse. Per questo tu es irremplaçable. La vita che mi hai data. Voilà ce qui a condamné à la solitude la vie que tu m'as donnée. Et je ne veux pas être seul. J'ai une faim infinie d'amour, de l'amour de corps sans âme. J'ai passé mon enfance esclave de ce sentiment élevé, irrémédiable, d'immense engagement. Je t'en supplie, ne veuille pas mourir. Je suis ici, seul, avec toi, en un futur avril. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te, in un futuro aprile. Pier Paolo Pasolini, Le procès interdit. Une émission de Yann Siré, réalisée par Angélique Thibault. Coordination Anne-Vanessa Prévost. Troisième et dernière partie. Dernière prophétie, cannibalisme, esclavage et capitalisme. Avec Anne Wiazemski, Tony Negri, Jean Duflo, Hervé Joubert-Laurencin, Bertrand Levergeois, René de Secati, Jean-Paul Manganaro, René Scherrer. Avec les voix de Pier Paolo Pasolini, Laurent Terzieff, Alberto Moravia, Leonardo Sciascia, Bernardo Bertolucci, Sergio Citti, Pierre Clementi, Walter Citti, Sergei Parajanov, Franco Citti, Ninetto Davoli, Pino Pelozzi. Lecture Nicole Doguet, Damien Manivelle, Jean-René Lemoine. Porno Théo Colossal. Scénario posthume de Pasolini, lecture Jeanne Moreau, traduction Hervé Joubert-Laurencin. Remerciements, Lisa Narboni et le Festival Premier Plan d'Angers. Mixage, Alain Joubert. Musique, Ostia, The Death of Pasolini, de Cole. Morisset, You Have Killed Me. Les mauvais garçons sur le champ, Pasolini, Anna Prucnal. Maria Callas, Aria Finale, de Manon Lescaut.